les bouquilles là. Ceux qui s'apprennent aujourd'hui, les jeunes gens là, pour les jeter en prison comme des cafards là, c'est eux qui l'ont installé au pouvoir. Ouattara n'était rien dans le pays là, un vrai lâche politique, un imbécile. Vous comprenez? On dit qu'il n'est pas ivoirien en 1995, il a fui. En 2000, on dit qu'il n'est pas ivoirien, il a fui. Il a fallu l'arrivée de cette génération là. Il a fallu aller manipuler tous les peuples du Nord et leurs enfants, John Soros et ses camarades, pour venir imposer Ouattara. Nous avons mené la guerre pour que Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004 au nom de la paix. Vous comprenez? Romain Ouattara, un vrai lâche politique, un imbécile qui n'a pas été capable de revendiquer son ivoirité pour démontrer qu'il est ivoirien. Il n'a pas été capable. Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Il n'est pas ivoirien, c'est un burkinabé. Il vient de Saint-Doux. Tout le monde entier savent ça. Tout le monde sait que Ouattara, c'est un burkinabé. Il allait créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens. Les jeunes gens qui l'ont soutenu dans ce sale boulot machiavélique pour qu'il soit reconnu ivoirien. 19 septembre 2002, on a pris les armes à cause de ça. Gbagbo a fait 40 ans dans l'opposition, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il y a eu une rébellion dedans. Fils de bâtard, fils de cafard, quoi, Jimmy, quoi, là même là. C'est Draman qui a mougou ta maman et puis tu es né, toi. Draman ne connaît pas ta mère. Draman ne te connaît même pas. Vous comprenez? Tu dis papa, Ado, Alassane ne te connaît pas. Même si on s'en fait test à ADN, Draman va dire qu'il n'a pas besoin de toi. Les enfants sales comme vous, Draman ne veut pas que vous soyez attribués à son nom. Il y a son fils David Ouattara qui est là, le drogman. Vous comprenez? Draman refuse que les sales hommes comme vous soient son fils. Draman a honte de vous. Il a honte des nordistes aujourd'hui. Donc ne venez pas raconter vos sales vies ici. Ce que je vous dis ici, si c'est faux, dis le contraire. Il n'était pas ivoirien. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien au nom de la paix. Vous comprenez? Vous comprenez? Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien au nom de la paix. Ari Kola Bédia a refusé. Il dit Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'est pas ivoirien. Grâce à Laurent Gbagbo et Sorodom, il était reconnu ivoirien. On a imposé à Gbagbo. Boiti a accepté qu'il est ivoirien. C'est qu'il peut être candidat. On a mené la guerre. Gbagbo a accepté que Draman est candidat. Hey, le plus doux arrive. On allait aux sélections au nom de ma mère. Au nom de Dieu. Draman n'a rien gagné. On l'a imposé là. Vous les animaux là. Aujourd'hui, j'ai montré quelques preuves sur le panel TikTok de quelqu'un. Je viens. Je fais sortir tous les dossiers maintenant. Je vais tout étaler. De 2000, élections municipales 2000, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tous les documents. Je vais étaler. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Wallahi Bilay. Fais la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Fais la guerre pour qu'il soit candidat. Gbagbo Laurent l'a accepté au nom de la paix. On allait aux élections, le Bouki Draman, il n'a rien gagné. Ivoirien ne peut pas voter un Burkinabé à la tête de son pays. Non, on l'a imposé là. Comme Sora Harry Kona Bédié Nicolas Sarkozy. Après d'avoir exécuté le soutenir dans ce sale boulot, Draman Ouattara, le Bouki, le lâche politique, n'a pas trouvé notre ennemi si ce n'est pas ces jeunes gens-là. Traoré, El Hadj Mamadou Traoré, y'a quoi vous? Papa Smaoro Kando, y'a quoi vous? Gbagbo, vous avez dit hier, Zouzou, toi et tes frères là, vous me combattez pour un imbécile que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir, le plus chanceux parmi vous ira en exil. Et Allah, c'est trop doux. Gbagbo l'a dit hier, se refait partie des plus chanceux. En exil, on ne sait même pas où se trouve. D'autres iront en prison, soul to soul. El Hadj Mamadou Traoré, Smaoro Kando. La terre ça, le terceau, qu'est-ce que Gbagbo dit? Il dit d'autres seront exécutés. Ouattara s'appelle Bleba Ahmed Bagayogo. Soro Konyo Lassina Koulibaly. Ibrahim Koulibaly Diibé a été exécuté. Laurent Gbagbo l'a dit hier. J'ai vu Chérif Ousmane. Je pleurais aujourd'hui. Papa, Guépa, y'a quoi toi, hein? Que ton âme repose en paix en même temps. Ils ont fini avec toi. Voilà, Christ a bien parlé. Draman dit, tous les comme zones là. On dit vous salissez son régime. Draman a mal aujourd'hui de voir que lui, dans son régime, Draman le démocrate, le manhattanien, Draman le français a du mal aujourd'hui de voir que les chefs rebelles sont les généraux dans son régime. Il a honte à ça. Je vous dis la vérité. Draman a dit qu'aujourd'hui, ça lui fait honte que dans son régime actuel, il y a des chefs rebelles comme des généraux. Donc, Photocopie va vous tuer, vous tous. Je vous ai dit il y a 7 ans, 7 ans, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Ouattara, cassez le testicule de Draman avant qu'il vous arrête. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit à Ouattara, Chérif Ousmane, à Mouro, l'os des mains, Kone Zakaria, il dit, hey, vous devez te guetter Draman avant que ça sorte. Il va vous tuer, vous tous.
Oh my God. Ouais, j'ai eu la chance. Putain. Non, my God. Ça, c'est Doaoudé, ça. Oh, eh non. La gendarmerie, ils sont venus s'arrêter dans un coin, là. Dieu merci, ils étaient en train de contrôler une voiture. Sinon, c'était pas bon pour moi. Donc, ça, c'est Doaoudé, ça. Je suis pas un maudit. Sinon, ça, là, c'est retiré permis en même temps. Vous comprenez? Bah, c'est le risque ici, on prend. Vous comprenez? J'ai vu Chérif Ousmane aujourd'hui. Quand j'ai cherché à garer Paysa, là, j'ai échappé à une catastrophe tout à l'heure, là. Ouais, c'est pas évident. C'est interdit ce qu'on fait là. Mais on n'a pas le temps souvent. On veut gérer tout à la fois en même temps. Vous comprenez? Chérif Ousmane, j'ai vu vidéo là, j'ai pleuré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a bien à parler? C'est fini pour lui. Draman va vous tuer, vous tous. La prochaine Alice. Eh, Colonel Zakaria, Gaoussou, y'a quoi vous? Colonel Zakaria, Jagao, attrapez Draman. Sinon, il va vous tuer, vous tous. Il a dit, Draman a dit, Macron l'a dit, il y a longtemps, Draman, d'essayer de. Comment on appelle? De, en français, c'est pas comment on dit. D'essayer d'adorer son image, son régime. Draman, Macron a demandé à Draman de dégager des chefs rebelles dans son régime. Régime d'Abidjan, actuellement, on ne veut pas voir rebelles dedans. Donc vous serez tous tués, un à un. Vous serez tous empoisonnés, un à un. Moi, ça ne me regarde pas. Je vous avais averti, il y a très longtemps. Watao, que ton nom me repose en paix, le seul que j'ai pitié pour lui. Watao, j'ai dit ici. Sois salué, grand frère Ibrahim Traoré. Sois salué, big respect à toi. Merci beaucoup. Hein. Je vous ai déjà dit ici. Voilà ce d'homme qui était vos patrons là. Ça fait 5 ans, on ne sait même pas où Soro se trouve. Draman va vous tuer un à un, ils ne m'ont pas cru. Ouais, toi, on n'est plus là. Chérif Ousmane, il y a quoi toi? Que ton âme repose en paix. Voilà, on prie Dieu pour toi. Hein. Christ a pu, en tout cas, il a fait une très belle vidéo. Il a donné conseil à tes parents. Si tu es malin, il faut quitter dans le pays là en même temps. Ah, entre parenthèses, bref, ça c'est entre vous et Draman là-bas. Le chef rebelle, le Comzone. Tu vois, chérif Ousmane, nous avons pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire au nom de la paix. Hein? Et pourtant, en 2020, Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Tu n'as pas été capable d'ouvrir ta gueule. Vous allez tous payer. Vous allez tous payer cette trahison-là. Vous tous. Draman Ouattara, il faut te ressaisir. Tu es un vrai lâche politique. Moi, je suis fier quand je parle de Ouattara. Je suis fier quand je parle de Ouattara. Tu n'étais rien dans le pays, l'année Nala. Walay Bilay. 1995. Mais Dieu dit que tu n'es pas Ivoirien. Un vrai lâche. Tu as fui. Il fallait rester pour démontrer que tu es Ivoirien. Tu as fui. En 2000, tu es venu, Chakone, il n'a pas parlé beaucoup. Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis, Holt Volta, tu as fui. Il a fallu cette jeunesse. Ils sont venus se battre pour faire en sorte que tu sois reconnu Ivoirien. On s'est battu pour que tu sois candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. On t'a imposé là. Après tous ces sales boulots-là, au moment où on demande pardon aux Ivoiriens, c'est cette génération que toi, un vrai lâche politique, un imbécile politique, n'a pas trouvé un autre ennemi si ce n'est pas ces jeunes gens-là. Vraiment, tu ne vas pas s'en sortir. Aussitôt, grand frère a été arrêté hier. On a appris hier qu'il est condamné à 2 ans. Draman, tu vas mourir. Tu ne pourras rien contre Soro et ses amis-là. Aussitôt arrêté, aussitôt condamné 2 ans de prison. On t'a fait quoi pour mériter ça? Quel mal on a fait à Draman? À part de se battre pour l'envoyer au pouvoir. Quant à vous, peuple du Nord, les Djoula, la honte à vous. Soulevez vos testicules, adressez-vous à Ouattara. Trop est devenu trop. Ouattara n'a qu'à laisser vos enfants tranquilles. Il n'a qu'à laisser vos enfants. Vous avez tout fait. Le Nord a fait tous les sacrifices pour Draman Ouattara qui mérite tous les horloges. Pour l'air est arrivé pour vous. Il a tué Ouattara comme un chien. On l'a vu. Il est malade, il veut quitter le pays. Ouattara a refusé. Ouattara sort. Ils ont attendu lorsque le poison a fini de le détruire. On lui a dit qu'il peut partir. Ahmed Bagayogo, l'espoir de tout le Woroba qui a planifié tous ces sales boulots-là pour Draman Ouattara, il a fini à Ouattara. Il s'est attaqué à Ahmed Bagayogo. Ahmed Bagayogo est mort comme un cafard. Au bout d'une semaine, le chair ont commencé à laisser le os. Aujourd'hui, regardez Chérif Ousmane. Il y a quoi vous, chers parents du Nord? Moi, je vous ai dit, levez-vous, allez-y voir Ouattara. Draman, tu n'es rien. Tu vas payer ça là au nom de ma mère. Toi là, même d'abord, au pouvoir là, c'est fini en 2025. Si tu penses que tu vas mourir au pouvoir, c'est faux. En 2025, 29 millions de Ivoiriens vont sortir. On va te dire, il faut tuer nous tous. Sinon, tu vas dégager. Et tu ne pourras pas tuer 29 millions de personnes. Moi, j'ai envie d'aller au pays aujourd'hui. Oui, moi, j'ai dit aux gens de l'AS de créer une force armée dénommée la Légion africaine pour permettre à cette jeunesse africaine de venir se battre. J'ai demandé il y a longtemps. Moi, je vais aller en Afrique. Je n'ai rien à foutre ici. Je vais rentrer. Toi, Draman, c'est fini pour toi. Le mal que tu nous as fait là, tu vas payer. On ne peut pas humilier toute sa vie. On se battu pour toi ici, sur la base de maçons et manipulations. Parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Parce que je viens du Nord, on ne veut pas que je sois candidat. Bon, montrez-moi une vidéo où Gbagbo est en train de détruire mosquée. Tu as détruit tout mosquée d'Abidjan.
Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, ce sont nos parents du Nord. Allez-y, regardez. Allez-y, fais un tour au Nord. Allez-y, regardez. Le peuple le plus misérable. Le peuple qui fait vomi. Les maisons sont détruites, cassées tous les jours, les petits commerces. Femme Doula, il ne peut pas parler. Moulébé, ça c'est la malédiction de Dieu. Dans Alébé, n'y est quoi. Tuer, sacrifier tous vos enfants pour aller sans Ouattara. Attends, au pouvoir, il a exécuté tous. Oui, Ahmed Baradio a été tué. Ouattara a été tué. Ministre Djakite a été tué. Gonc Loubali, nous tous, je fais vidéo ici. La vidéo est encore là. Pour interpeller le parent de Gonc. Gonc Loubali a été tué. On savait qu'il est malade. Draman dit, hey, je m'en fous, il faut venir. Parce que moi, je dois investir le président de mon parti. Moi, je sais que toi, ça va plus. C'est fini pour toi. Viens mourir ici. En plein conseil des ministres, Amadou Gonc Loubali est tombé. Il est mort. Quelle humiliation pour ce peuple-là. Amadou Gonc Loubali, Ahmed Baradio, Ouattara. Ministre Djakite. Ibrahim Koulibaly dit eBay. Allez-y, regardez. PK18 a été atrocement assassiné. Soro Konyo l'assassiné à Koulibaly. Draman a tenté de tuer Soro Dom. Un certain 23 décembre 2019. Dieu n'a pas voulu. Dom Soro l'a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Oui. C'est Dieu qui l'a sauvé. Draman est monstre, un diable. Même le Burkina ne te reconnaît pas. Je me pose aujourd'hui la question. Comment cet homme-là a réussi à manipuler nos parents et nous? Moi, je me pose cette question-là aujourd'hui. Comment il a réussi à manipuler tout un peuple? Aujourd'hui, regarde Draman. Petit commerce de vos enfants, le casse, il a tout détruit. Tout ce qui est commerce de Doula, Draman ne veut pas voir. Allez, avec Mamadou Traoré, quand il a posté qu'il paraît que les jours de fête d'indépendance là, et les chars combat qui ont défilé là, apparemment c'était loué à cause de ça. Toi, un cafard comme Draman, toi qui as dit ici, je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber. Tu as dit ici, je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber. C'est ça qui est plus violent, ou dit que les chars combat qui ont défilé là, il paraît que ça a été loué. Entre les deux phrases, les deux mots, qui est le plus violent? Qui est le plus violent? Tu as dit ici, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il a été élu en 2000, non? Face à Général Guéhi. Jolie élection. Taux de participation, plus de 37%. Élection de 2000, là. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître cette élection-là. Mais elle, pourtant, Draman dit que c'est une élection calamité, que lui ne reconnaît pas Gbagbo Laurent. Élection de 2000. Jolie élection. Oui. Avec taux de participation de plus de 37%, il n'y a pas eu 3 000 morts dedans. Non, il n'y a pas eu 1 000 morts dedans. Il n'y a pas eu 5 000 morts dedans. Vous comprenez? Draman, tu es un vrai lâche politique. Gbagbo Laurent s'est battu. Il a pris le pouvoir. Tu as dit à Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000 ans, face Général Guéhi. Il faut aller lui dire que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Ah bon? Nous savons mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Draman, tu as dit ça? Menacer tout un pays. Gbagbo, à cause de son côté humain, là, il devait attacher tes testicules, te jeter dans l'eau. Il n'a pas fait. Il a joué avec ses phrases. Il a pris en légère ces mots-là, comme son grand frère, Ari Konabedji. Moi, ici au pouvoir, tu vas ouvrir ta gueule, que je frapperai ce pouvoir mourivant. Au moment important, elle va tomber. Bedji s'est contenté d'un falfelu mandat d'arrêt. Bedji s'est contenté d'un falfelu mandat d'arrêt contre toi. Tu es venu dire à Gbagbo. Tu étais élu en 2000, moi, Draman, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Gbagbo devait prendre ces mots-là au sérieux. Il t'a regardé, il t'a laissé. Il dit, s'il veut qu'on Nyagami paye, il envoie tout Nyagami. Tu as dit, s'il veut qu'on mélange tout la Côte d'Ivoire, là. Gbagbo a répété tes phrases en Doula. Tu as dit, s'il veut qu'on Nyagami paye, là, on va tout Nyagami. Pays des gens, de quel droit? Tu dis, tu vas Nyagami. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Ces mots-là est plus grave. Ce mot-là est plus violent. Où c'est que Elhadj Mamadou Traoré a dit? Dans ta rébellion de merde, là, c'est Elhadj Mamadou Traoré qui était le seul professeur là-bas, qui enseignait les enfants du Nord pour ne pas perdre toutes ces années de la rébellion de merde, là. C'est que les parents, ils avaient moyen. Ils sont venus à Abidjan. Mais nos frères qui sont restés au Nord, c'est Elhadj Mamadou Traoré, le professeur, qui les enseignait là-bas. Vous comprenez? Aujourd'hui, un fils de bâtard, un nordiste, un petit Doula de Draman, dans la D, il faut écrire ici, Zouzou. Moi, je te pose la question. On a fait quoi à Ouattara? Soro a fait quoi à Ouattara? Je pense a fait quoi à Ouattara pour mériter ça? Répondez, Asme. Aussitôt arrêté, condamné à 2 ans. Hey, là, je m'en doute, Traoré, quelque chose est sûr. 2 ans, ça veut dire que, jusqu'après l'élection de 2025, moi, je t'ai promis, tu vas sortir de prison avant 2025. Écrivez ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Hey, là, je m'en doute, Traoré, soutien total à vous. Vous allez sortir de prison avant l'élection. Papa honorable, Mauro Kando, lui, son délit, c'était quoi? Papa Laurent Gbagbo a appelé l'union de l'opposition en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, c'est pas un animal, c'est un nationaliste, un patriote, un Ivoirien autochtone de Chouche, un Ivoirien originaire. Il a mal de voir son pays. Après 10 ans de prison, à prison de Chegengen, je ne sais pas quoi, à ce pays-là, il revient, il voit son pays. De la manière son pays est plongé là, le chaos où son pays est plongé là, il a pensé à faire quelque chose pour récupérer son pays, pour faire sortir la Côte d'Ivoire dans l'eau.
il fait l'appel des unions de l'opposition. Tout le monde a signé. Oui, parti politique. Dramane le cafard. Pourquoi tu n'as pas arrêté les autres là? Faut aller arrêter les autres là. C'est pas GPS seulement qui a signé. Un vrai lâche politique. Papa Laurent Gbagbo est là. Si t'es un garçon, il faut la toucher, on va voir. Tu connais le bagage qui est lourd. C'est pas ton ami, c'est pas ton camarade. Il demande un match et retour en 2025. Mets son nom sur la liste électorale. Mets non, le solo d'homme sur la liste électorale. Oui. Tout le monde a dit que tu as gagné en 2010, non? Moi, j'ai dit que tu n'as pas gagné. Bon, on dit que nous, on ment. Gbagbo dit bon, un match et retour pour voir qui a gagné vraiment en 2010. C'est plus facile que ça. Tu dis tu as gagné. Et on dit tu n'as pas gagné. Bon, un match et retour, c'est pas fini. Gbagbo demande un match amical. Un match retour amical. Match retour amical. Pour montrer aux faces du monde entier qui a gagné. Draman, c'est un vrai lâche politique. Alassane, tu nous as dit, hein. Sans les enfants du Nord. Sans les enfants du Nord. Avec les armes à la main. Cet homme peut asseoir ses fesses là. Si le fauteuil, ça là. Fauteuil présidentiel, il pouvait le faire. On a fait quoi, Ouattara? Regardez. Tout ce que Ouattara a eu des problèmes avec lui. Sur le plan politique, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Il y a que Soro qui se promène, on ne sait pas où il est. Nous remercions Gbagbo Laurent ici. Le seul qui réclame son retour, Kone Katina l'a dit, que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale se promène de pays en pays. Dramane Ouattara, ton fin est presque arrivé. Faut pas douter, c'est fini pour toi. Vous savez, il est parti à Paris encore, vous savez pourquoi? Il a un cancer de gorge très très avancé. La dernière fois, on devait l'opérer, mais si on l'opérait là, il pouvait pas venir lire son discours de merde là à la nation, le 7 août, je ne sais pas, 6 août ou quoi là. Donc il a dit de laisser, ils ont fait l'injection, il est venu faire son truc là, il retourne maintenant, on doit l'opérer maintenant. Donc il prend tous nos grands frères, il les jette en prison, et puis lui il s'en va. Hé hey, tiens, Crespo, moi, Crespo, moi, je dis à tout le monde, hein, où je suis là aujourd'hui là, moi j'ai plus de limites, j'ai la haine contre Ouattara. Mais il y a des choses là, je vais dire, mais je peux pas dire encore, parce qu'ils vont toujours m'associer au GPS, ils vont toujours m'associer au Soros, et toi, et pourtant il y a des vidéos là, Soro n'est pas dedans, c'est moi. C'est mon langage à moi. Quand je dis testicule de Dramane, ça c'est pas solo. C'est moi, j'ai dit ça. C'est moi, j'assume ça. Un vrai lâche politique. Tu n'as pas honte, toi? Un vrai lâche, un imbécile. En 1995, Bédié dit que tu n'es pas ivoirien, tu es parti. Fallait rester. Si tu es ivoirien, fallait rester pour démontrer que tu es ivoirien. Tu as fui. En 2000, tu es venu, on dit que tu n'es pas ivoirien, tu as fui. Il a fallu cette jeunesse-là. Pour mener la guerre. Pour que tu sois reconnu ivoirien, le seul homme politique qui n'est pas un homme politique d'ailleurs, Gbagbo a fait 40 ans au pouvoir. Pour être candidat face à Abdi, il a créé une rébellion. Non, il a lutté avec la politique, avec son maïs, pour être candidat président. Il n'y a pas eu de rébellion dedans. Bédié a pris le pouvoir après la mort de Félix Sauvoyen, par la constitution ivoirienne. Il n'y a pas eu de rébellion dedans. Un vrai lâche politique. Tu vas aller dans l'enfer, il n'a même pas honte parce qu'il est musulman. Venez manipuler un peuple. Le peuple du Nord, honte à vous. À l'époque, on pouvait miser Cizé Moro, Koné, sur Gonkloubali. Il y avait trop de cadres au Nord. Un peuple naïf. On dit Ouattara, Ouattara. Et regardez-vous.